France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Dès l'ouverture du 7e numéro de la série qu'en 1977, Rosine et Robert Georgin consacraient à Roman Jacobson, la question qu'allait aborder l'émission était énoncée par la voix même du grand linguiste. Il n'y a pas de langue sans système grammatical et on peut étudier de façon très productive l'art poétique par rapport à la grammaire. Ceci étant posé, à travers des textes de Breton, Mallarmé, Michaud et Queneau, ce 7e épisode s'appliquait à illustrer ce que Jacobson avait été le premier linguiste à avancer. Que la syntaxe participait de l'art poétique et que l'on pouvait parler d'une poésie de la grammaire. Une émission au cours de laquelle Tsvetan Todorov soulignait combien la position de Jacobson au confluent des univers slaves, allemands et latins avait enrichi ses recherches et pourquoi on pouvait le considérer comme un héritier des romantiques allemands. Un 7e volet dans lequel la linguiste Mitsurona, qui, présentant les poètes comme des linguistes intuitifs, expliquait pourquoi ils étaient le plus souvent les premiers, avant les linguistes, à visiter les territoires inexplorés du langage. Hommage à Roman Jacobson, 7e d'une série de 14 émissions, La poésie de la grammaire, diffusée la première fois le 19 novembre 1977 sur France Culture. La communauté radiophonique des programmes de langue française présente Roman Jacobson, 7e émission, La poésie de la grammaire. Avec des déclarations de Roman Jacobson, Mitsurona, Tsvetan Todorov, Robert Georgin. Et des textes d'André Breton, Stéphane Mallarmé, Henri Michaud, Raymond Queneau. Une émission de Robert et Rosine Georgin. Il n'y a pas de langue sans système grammatical. On peut étudier d'une façon très productive l'art poétique par rapport à la grammaire. Ainsi s'exprime Roman Jacobson. Il est le premier linguiste à avoir postulé l'hypothèse d'une poésie de la grammaire. Il est le premier à avoir affirmé que les figures de rhétorique et les jeux lexicaux n'étaient pas les seuls éléments de la création poétique. La syntaxe, dit-il, y participe de façon déterminante. Cette affirmation est au premier abord déroutante. Quel rapport les règles de grammaire pourraient-elles entretenir avec l'esthétique et l'art? Pourtant, cet acquis de Jacobson n'est plus guère contesté aujourd'hui. Il est même devenu une pierre de touche pour toutes les théories élaborées sur la poétique. Robert Georgin. L'emploi de certaines formes grammaticales est effectivement créateur d'effets poétiques. On peut même dire que certaines formes grammaticales sont électivement liées à certaines formes poétiques. Ce postulat paradoxal apparaîtra mieux si on donne un exemple. Et l'exemple sera celui du verset biblique dans le texte de la Vulgate traduit en français. C'est traduit du latin sans doute, mais c'est parfaitement intégré au génie naturel de la langue française et c'est du reste le verset claudélien. Et la structure grammaticale du verset biblique est apparemment très simple. Or, on peut très aisément démontrer que cette structure grammaticale peu complexe charrie avec elle toute la poésie de la Bible. La démonstration en a été faite, involontairement d'ailleurs, par le collège de pataphysique. On sait que la pataphysique, science des solutions imaginaires, a été inventée par Alfred Jarry. Et s'ensuivit un collège de pataphysique, animé ces dernières années par Noël Arnaud, Jean Lescure, Henri Salvador, Raymond Queneau notamment, tous gens de componction grave, pratiquant l'humour à froid, avec la solennité ubuesque qui convenait à la science pataphysique.
et le collège de pataphysique avait créé en son sein un ouvroir de littérature potentielle. Ouvroir pour rappeler les dames d'œuvre, littérature potentielle, parce qu'il s'agissait d'explorer toutes les littératures possibles. En abrégé, ça donnait l'Oulipo. Et un jour, l'Oulipo se posa la question suivante. Qu'arriverait-il si on modifiait arbitrairement le lexique utilisé dans la Bible? La méthode employée fut la suivante. Suivez-moi bien, c'est un peu compliqué. On prit un dictionnaire français-allemand et allemand-français. On traduisit chaque nom commun français de la Genèse par le nom commun allemand correspondant. Par exemple, le mot « commencement » donne en traduction « Anfang ». On prit alors le nom commun allemand qui, dans le dictionnaire allemand, suivait immédiatement « Anfang ». En l'occurrence, c'était le mot « Anfrage ». On traduisit « Anfrage » en français, ce qui donna « demande », et on procéda ainsi pour tout le premier chapitre avec la rigueur pataphysique qui convenait. Vous allez voir, le résultat, c'est très surprenant. Sans doute ne reste-t-il plus grand-chose de la Genèse, mais en revanche, l'Oulipo avait accouché d'un texte à large envolée poétique, à mi-chemin entre l'Autréamont et le surréalisme, qui n'était du reste pas du tout inintéressant. Et pourquoi? Parce que la charge poétique de la Genèse était enclose non dans le lexique torturé, mais dans la structure grammaticale restée intacte. D'abord, rafraîchissez-vous la mémoire avec le texte premier. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, etc., etc. Et maintenant, voici le texte second. À la demande, l'idole créa l'empêchement et l'expérience. Mais l'expérience était informe et vide. Les confirmations couvraient le traité, et l'avarice de l'idole se mouvait au-dessus des ouates. L'idole dit que la paupière soit, et la paupière fut. Et l'idole vit que la paupière était bonne, et l'idole sépara la paupière des confirmations. L'idole appela la paupière mesure et les confirmations preuve. Et il y eut une aventure, et il y eut une moutarde. Ce fut la première mesure. L'idole dit qu'il y ait une cime entre les ouates et qu'elle sépare les ouates d'avec les ouates. Et l'idole fit une cime, et elle sépara les ouates qui sont en dessous de la cime des ouates qui sont au-dessus. Et il en fut ainsi. L'idole appela la cime empêchement. Et il y eut une aventure, et il y eut une moutarde. Ce fut la seconde mesure. L'idole dit que les ouates qui sont au-dessous de l'empêchement se rassemblent en un seul orient et que le bric-à-brac paraisse. Et il en fut ainsi. L'idole appela le bric-à-brac expérience et il appela farine la hauteur des ouates. Et l'idole vit que cela était bon. Puis l'idole dit que l'expérience fasse pousser de la rage, des arêtes portant collection, des pierres à bâtir à pommes hâtives, produisant, selon leur goût, de la pomme hâtive ayant en soi sa collection sur l'expérience. Et il en fut ainsi. Et l'expérience fit sortir de la rage,
des arêtes portant collection selon leur goût, et des pierres à bâtir produisant, selon leur goût, de la pomme hâtive, ayant en soi sa collection. Et l'idole vit que cela était bon. Et il y eut une aventure, et il y eut une moutarde. Ce fut la troisième mesure. Raymond Queneau et Jean Lescure avaient donc, sans le savoir, vérifié une hypothèse de Jacobson. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la découverte faite par Jacobson, à savoir le rôle de la grammaire en poésie, est due à sa formation non latine et peut-être même non française. Il connaît les langues slaves, dont les déclinaisons et les rythmiques sont très compliquées. Sa prédilection pour Mallarmé, chez qui il a reconnu un confrère en linguistique, ne l'empêche pas d'assimiler l'héritage philologique allemand. Plus exactement, c'est parce qu'il est au confluent de trois univers, le slave, l'allemand et le latin, que sa recherche est marquée d'une telle fécondité. Zvetan Todorov analyse cette confluence. Je crois que, historiquement, on doit comprendre Jacobson comme un disciple et héritier de la théorie romantique du langage poétique. Sa définition même de la poésie, selon laquelle la poésie est un énoncé visant à l'expression, c'est du langage qui attire l'attention sur lui-même, ou encore la fonction poétique est celle qui met l'accent sur le message lui-même, etc. Cette définition donc s'inscrit tout à fait de façon légitime à la suite de celle que pouvait donner en France un Valéry ou avant Mallarmé, et surtout de celle qu'en Allemagne avaient formulée les romantiques du début du siècle, tels Novalis, tels les Schlegel ou encore Schelling. Cette définition n'est donc pas originale en elle-même. Ce qui est le premier pas original, c'est que cette idée est l'affaire en somme des philosophes, des esthéticiens ou des poètes qui ne se soucient pas d'étayer cette affirmation par des preuves directes. Jacobson a voulu transformer cette idée, jusque-là simple slogan, en une proposition concrète, vérifiable, précise et appuyée sur des preuves linguistiques. Il est véritablement sans aucun ancêtre. C'est proprement lui qui a réfléchi pour la première fois à ce qu'il appelle la poésie de la grammaire. Mais il n'a pas fait que cela. Jacobson a mis en évidence le rôle des catégories linguistiques en dehors même de textes aussi strictement organisés que les sonnets ou les poèmes. Par exemple, il a consacré une étude célèbre à la prose de Pasternak, dans laquelle il a établi le rôle de la métonymie comme principe de construction de la prose. Dans d'autres études, il a travaillé sur le rôle des pronoms personnels ou des temps du verbe pour la définition des grands genres littéraires, etc. Donc, il a su mettre en évidence, beaucoup plus qu'on ne l'avait fait avant lui, le rôle du langage dans l'organisation de la littérature. En guise d'intermède, voici un exercice de style de Queneau traduit par l'auteur soi-même en langage pataphysique. Dans une huile d'allumette. Un vapeur de 26 appartements. Chauffage mou, avec du coton remplaçant le sang. Court, trop longue, comme si on lui avait tiré dessus. Les grands-mères descendent. Le vapeur en regard s'irrite contre un wagon. Il lui reproche de le bousculer chaque fois qu'il passe quelqu'un.
tribunal pleurnichard qui se veut méchant. Comme il voit une plante libre, se précipite dessus. Deux huiles plus tard, je le rencontre crayon de Rome, devant la goutte Saint-Lazare. Il est avec une casserole qui lui dit « Tu devrais faire mettre un bruit supplémentaire à ta pâte. » Il lui montre où ? À l'élève. Et pourquoi ? Mitsu Rona. Les poètes s'attaquent le plus souvent à des zones de langage inexplorées. C'est-à-dire, pour faire une poésie neuve, il faut qu'ils fassent une exploration nouvelle de la langue, sinon ils sont des vieux poètes avant d'être des jeunes poètes. Et très souvent, donc, ils s'attaquent à des choses très très profondes que les linguistes n'ont même pas aperçues. Dans le cas de Mallarmé, il a inventé des formes et des nouvelles règles, et il joue sur des structures abstraites extrêmement difficiles à appréhender au premier abord, et ce sont des structures abstraites qui n'ont jamais été étudiées par la linguistique. Je crois que c'est fondamental, parce que lorsqu'avec les structuralistes usuels ou non poétiques, on étudie uniquement les corpus de phrases enregistrées de gens dans la rue, uniquement les corpus de journaux, etc., on peut faire un certain nombre de choses intéressantes, mais c'est extrêmement limité, puisque ce sont toujours les mêmes structures qui reviennent, les structures grammaticales que l'on enseigne à l'école. On ne va pas plus loin, on ne se pose pas des questions nouvelles à partir du langage courant. Si on étudie la langue d'un poète ou d'une époque poétique, on est obligé de se poser des questions nouvelles et pouvoir résoudre ces questions-là. Et je crois que ça, c'est assez fondamental. Et quand Jacobson dit que la poésie, l'étude de la poésie ou la poétique fait partie de la linguistique ou est un aspect fondamental de la linguistique, il a parfaitement raison. Les poètes sont des linguistes intuitifs, donc il faut savoir le message qu'ils nous apportent à ce niveau, au niveau de leur linguistique propre. Et les problèmes à résoudre sont beaucoup plus importants en poétique que dans la langue courante. Et en même temps, par exemple, si on arrive à résoudre les problèmes d'une poésie, on donne les clés de la langue courante. Au contraire d'une fonction de numéraire facile et représentatif, comme le traite d'abord la foule, le dire, avant tout rêve et chant, retrouve chez le poète, par nécessité constitutive d'un art consacré aux fictions, sa virtualité. Le vers, qui de plusieurs vocables refait un mot total, neuf, étranger à la langue et comme incantatoire, achève cet isolement de la parole. Niant d'un trait souverain le hasard demeuré au terme, malgré l'artifice de leur retrempe alternée en le sens et la sonorité, et vous cause cette surprise de n'avoir ouï jamais tel fragment ordinaire d'élocution, en même temps que la réminiscence de l'objet nommé baigne dans une neuve atmosphère. Robert Georgin. L'un des domaines les plus subtils et les plus riches aussi qu'explore la grammaire pour servir la poésie est constitué par ce qu'on appelle les traits de sélection. Les traits de sélection sont les traits qui régissent le choix d'un adjectif pour un nom, le choix d'un sujet ou d'un complément d'objet pour un verbe, d'un déterminatif pour un nom. Par exemple, on dira l'autobus municipal, mais on ne dira pas l'autobus planétaire. Il y a incompatibilité entre le nom « autobus » et l'adjectif « planétaire ». Si on accouple ces deux mots, on viole ce qu'on appelle un trait de sélection. Or, la poésie se plaît à violer les traits de sélection. Encore une fois, prenons un exemple tiré de Henri Michaux, voici un texte qui viole systématiquement les traits de sélection. Ils aiment les demeures parlantes, les maisons à façades couvertes de seins roses,
et bien formée, et des meubles dedans, graves, sombres, mais constellés d'yeux. Les meubles n'ont pas d'yeux, les maisons ne parlent pas et ne sont pas couvertes de saints. Quelque part il y a déviance, et on pourrait presque définir la poésie par la déviance syntaxique. Et il faut prendre garde que la déviance syntaxique, dans ce cas précis, ne se contente pas d'engendrer la poésie, elle est génératrice d'un univers parallèle. Et je voudrais prendre un autre exemple tiré non plus de la poésie, parce que la poésie embellit tout ce qu'elle touche, mais extrait d'un essai linguistique dû à l'américain Kuroda. Kuroda fait remarquer que la phrase française « Le professeur a épousé Pierre » a pour conséquence que le professeur ainsi désigné doit être du sexe féminin, car la phrase « a épousé Pierre » exige un sujet féminin. À moins, dit Kuroda, de supposer un univers où les mariages entre hommes soient licites. Et de même façon, la phrase « porter une jupe » suppose également un sujet féminin, à moins qu'il s'agisse d'un travesti. Mais dans ce cas aussi, l'univers quotidien bascule. On constate, à y regarder d'un peu près, que la poésie est souvent un mélange très subtil et très complexe de violations syntaxiques et de métaphores. Où finit la violation syntaxique? Où commence la métaphore? Bien malin qui pourrait le dire, sauf peut-être le poète, seul à s'y connaître dans son art. Ma femme a la chevelure de feu de bois, aux pensées d'éclairs de chaleur, à la taille de sablier. Ma femme a la taille de l'outre entre les dents du tigre. Ma femme a la bouche de cocarde et de bouquets d'étoiles de dernière grandeur. Aux dents d'empreintes de souris blanches sur la terre blanche, à la langue d'ambre et de verre frotté. Ma femme, à la langue d'hostie poignardée, à la langue de poupée qui ouvre et ferme les yeux, à la langue de pierre incroyable. Ma femme, aux cils de bâton d'écriture d'enfant, aux sourcils de bord de nid d'hirondelle. Ma femme, aux tempes d'ardoise, de toit de serre et de buée aux vitres. Ma femme, aux épaules de champagne et de fontaine à tête de dauphin sous la glace. En définitive, la poésie semble être dominée par une exigence de parallélisme, qu'il soit grammatical ou métaphorique. Même la déviance syntaxique, pour être intégrée dans la vision poétique, doit avoir ce caractère de répétition gémellaire. Et le rôle de la grammaire en poésie est aussi important dans les langues à déclinaison comme le russe que dans les langues sans cas comme le français. En russe, la poésie s'introduira dans la déclinaison du mot. En français, elle jouera sur la liaison syntaxique entre les mots. La grammaire est une matrice sans laquelle la langue ne peut pas exister. Plusieurs linguistes, tels que les Américains Boas et Edward Sapir, ont très bien dit que les significations grammaticales, ce sont les significations obligatoires. Si la langue a une opposition du pluriel et du singulier, quand nous parlons, nous devons toujours employer l'une des deux formes
Donc l'opposition des significations du pluriel et du singulier est tout à fait obligatoire pour nous. La question est que certaines langues ont un système morphologique plus développé que les autres. C'est vrai, déjà c'est sûr, à parler et dire des choses intéressantes à ce propos, mais si la structure grammaticale du mot est moins développée dans des langues comme l'anglais en comparaison avec les langues slaves ou avec le latin, d'autre part, ce sont les problèmes syntaxiques qui jouent un rôle fondamental dans le système de l'anglais, tel que souvent des linguistes de langue anglaise ne voient que le syntaxe et si nous analysons la poésie anglaise ou la poésie française, ces questions de structure syntaxique sont des questions d'un intérêt et d'une importance énorme. Nous voyons quel effet ça a pour le caractère individuel des divers poètes. Et ce n'est pas du tout un phénomène qui se montre seulement dans certaines formes de poésie, chez certains poètes, etc. Comprennent des poètes les plus divers, comprennent Baudelaire ou Malherbe, les poètes du XVIIIe siècle et du XXe, toujours, on voit cette question du parallélisme syntaxique. On voit quel rôle fondamental ce problème joue. Seulement, ce sont des manifestations très diverses, mais il ne faut pas vulgariser, il ne faut pas voir d'une façon simplifiante la question de syntaxe et la question du parallélisme. La question du parallélisme, comme l'ont très bien vu des poètes théoriciens, comme l'anglais Hopkins ou comme Mallarmé, ces questions-là donnent la possibilité des structures les plus diverses, et ça se montre dans la poésie. Seulement, il ne faut pas voir ces questions-là d'une façon trop simpliste. Il faut comprendre qu'il n'y a pas une seule formule pour le parallélisme, une seule formule pour la forme syntaxique, qu'il y a là des effets les plus divers qui caractérisent le poète individuel, l'école poétique, l'époque, le genre. Si on n'oublie pas cette diversité, on peut étudier d'une façon très productive l'art poétique par rapport à la grammaire.
La communauté radiophonique des programmes de langue française vous a présenté Romane Jacobson, 7e émission, La poésie de la grammaire, avec des déclarations de Romane Jacobson, Mitsurona, Tsvetan Todorov et Robert Georgin. Les textes d'André Breton, Stéphane Mallarmé, Henri Michaud et Raymond Queneau étaient lus par Guy Le Cire. Présentation Marcel Dossogne. La collaboration technique était assurée par Jean Balza, Roland Fortan et Paul Cougiac. C'était une émission de Robert et Rosine Georgin. C'était la 7e d'un hommage à Romane Jacobson en 14 émissions, diffusée la première fois le 19 novembre 1977. À suivre, et d'ici là à télécharger et réécouter, sur le site de France Culture et sur l'application Radio France à la page des Nuits de France Culture.